Salut à tous, nous y sommes. Cette finale tant attendue, alors que tous les championnats européens ont désigné leur vainqueur. Il est temps de sacrer le champion ultime. Après les éliminatoires l'été dernier, la phase de groupe, c'est une petite surprise, et puis les tours à élimination directe, riches en émotions et en matchs magnifiques, il est temps de vivre ce match qui va être regardé par plus de 300 millions de téléspectateurs à travers le monde. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Bien, nous y sommes presque. Dites-moi, Darren, vous la sentez comment, cette finale? Je pense qu'on a tous les ingrédients pour un très grand match. Le public est chauffé à blanc, les joueurs sont ultra motivés, et au bout, il y a un titre de champion d'Europe à aller chercher. Et le match est donc lancé. Les deux équipes risquent d'être un peu prudentes. Mbappé! Oui, c'était puissant! Il y a peut-être un coup à jouer. Bien tenté. Faut tirer là. Il rate le cadre. C'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, de trouver la cadre. C'est très très compliqué. Redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. En retrait pour repartir proprement. Il décide d'allonger le jeu. Il s'échappe le long de la ligne. Attention au centre! C'était un peu trop appuyé. C'est bien joué. Et si c'était tout simplement le but qui les menait à la gloire? Tout seul, face au but, c'est presque trop facile. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se faire. Au fond défilé. Neymar, qui a marqué son quatrième but dans la compétition. Les voilà.
Voilà donc, devant, c'est un but qui vaut cher. C'est toujours mieux d'ouvrir le score, évidemment. Mais dans une finale, c'est encore plus important. Vous frappez là! Oh, ce ballon perdu aurait pu leur coûter très cher. Il va se faire secouer par son entraîneur là. Cette perte de ballon aurait pu leur coûter cher. Odriozola qui veut se projeter. Hazard en retrait. Neymar. C'est joué dans l'espace. Oh, le duel. Le ballon dans la profondeur. Bonne lecture de la trajectoire. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, bah faut dire que ça manquait de précision aussi. Et il perd l'équilibre. Il change complètement de côté. Kurzawa à l'opposé. Kurzawa qui a de l'espace. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Il cède sous la pression. Benzema. Le jeu repart vers la droite. C'est joué long, c'est dangereux. Benzema, le but, ils vont de là. Et ils sont de retour cette rencontre. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. Le jeu reprend sur un score de parité. Eh bien, on savait que ce match serait serré, et ça se confirme. Oh, Benzema! Mendy, ça joue long. Oh, énorme occasion! Aucun danger pour le gardien. C'est allé très très vite, dommage qu'il n'y ait pas but derrière. C'est joué long. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Oh, voici Di Maria. Oui, il y avait bien faute. Paredes. Peut-être une occasion pour Neymar. Non, il est signalé hors jeu. Le long dégagement du gardien. L'arbitre a sifflé, faute. Il peut y aller.
Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Rodrigo Zola. Oh, voici Neymar. Mbappé. La passe dans la profondeur. C'est osé. Oh, voici Hazard. Valverde. C'est bien donné. Voici Di Maria, bien servi. C'est la mi-temps de cette finale. Que s'est passé vite jusqu'ici? On a vu une première période très agréable avec 3 buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. On vient de vivre les 45 premières minutes de cette finale, alors premier bilan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne peuvent pas se permettre de jouer de la même manière en seconde période. Mais bon, ils ont encore largement le temps de rectifier. C'est parti, on y est. À mon avis, ils vont chercher à vite corriger le tir. Et vu l'enjeu, ce n'est pas la motivation qui va leur manquer. Marco Verratti qui est récompensé de son pressing. Oh, voici Neymar. C'est bien fait, ça. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Idriss Agueil se projette vers l'avant. Il remporte son duel. Florenzi qui récupère ce ballon. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il ne résiste pas au contact. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Il peut y aller! Mbappé! Oh, Courtois! Super arrêt! Une parade magnifique! Et voilà une façon de faire briller le gardien! Di Maria, il va frapper le corner, bien sûr, il est tellement dangereux dans cet exercice. Et ce dégagement a un peu manqué. Il a pris tout le monde de vitesse! Le soutien derrière lui. Ça sent la frappe! Neymar! Quel manque de précision! Oh, mais c'est précipité tout ça, il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire. Il a frappé vraiment trop vite. Oh, voici Hazard. C'est joué long. Oh, c'est bien fait. Oh, la frappe! À côté. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. C'est un match de folie. Ça pourrait devenir un match d'anthologie. Ne comptez surtout pas sur moi pour pronostiquer le résultat final. C'est une très très mauvaise passe, mais c'est inadmissible ça. Cette compétition dure si bien, il en est à 5 buts désormais. Et voilà qu'ils ont de nouveau égalisé. Voilà une finale comme on les aime. Des occasions, des buts, et ce n'est sans doute pas fini. Vasquez qui rejoue derrière. Le ballon en profondeur. Dommage, c'est trop puissant. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Il a mal dosé son geste, dommage. Oh, voici Neymar. Ça joue à gauche. Il tente de la jouer dans l'espace. Il cherche la profondeur. Il est bien placé. Attention, la tentative. Un but pour le Paris Saint-Germain. Voilà la situation complètement inversée. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Il savait exactement quand et comment cette passe allait
être joué. Ses coéquipiers se comprennent, mais c'est la perfection. C'est donc un changement. Et voilà, avec un petit but d'avance. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Ouf, un peu d'air. C'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exactement, oui. Oh, il espérait ce ballon. Il était vraiment propre ce tacle. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. C'est pas étonnant, vu ce qu'il aurait déjà fait. Mbappé, la relance, côté droit. Ce ballon dans l'axe, il met la tête. Encore. Il marque. Ils viennent peut-être de tuer le match. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Messieurs les défenseurs, vous êtes à la rue. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter les l'hémorragie. Benzema. Il garde la tête. Il peut intervenir. Ils sont en retard au tableau d'affichage. Ils tentent, mais de façon un peu désordonnée. La passe est précise. Et c'est une bonne course, mais au final, ça ne donnera rien. Il relance côté droit. Il accélère côté droit. Oh, c'est chaud. Ils obtiennent la touche. Le changement va pouvoir avoir lieu. Il est dit. Quelle détente! Bien repoussé par le gardien. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Hazard. Il allonge vers l'avant. Quelle passe! Le bon dribble. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Toni Kroos, qui est donc passeur décisif dans cette rencontre. Oh, le contre, l'arme fatale. C'est joué long, attention. Benzema. Oh, Navas. Superbe arrêt. Oh, c'est un arrêt important, ça. Ah oui, superbe. Gardien s'en saisit, tranquille.
Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Voilà, ils y sont et on comprend leur joie. Bien sûr, c'est un rêve, un jour, pour tout footballeur de prendre cette coupe. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe.